une fuite, la voiture F1 676 sera dévoilée à cette date. Le 13 février. Le Scuderia prévoit d'organiser sa présentation le mardi 13 février. Le lieu de la présentation sera un nouveau circuit de Furano, comme en 2023. Ferrari a également montré la voiture sur le circuit pour la première fois la saison dernière. Il est prévu que Carlos Sainz et Leclerc, immédiatement après la nouvelle présentation de la conversation avec les médias, fassent rouler la voiture, la 676, sur cette piste. Ça se passe lors d'une journée dite de tournage que les équipes ont chaque année pour utiliser la voiture à des fins commerciales. Dans ce cas, c'est aussi l'occasion de tester directement la voiture et de voir si tout fonctionne comme il se doit. Au passage, il y a un petit changement dans le règlement qui entrera en vigueur à partir de 2024. Désormais, les équipes peuvent parcourir 200 km pendant les journées de tournage. Auparavant, c'était 100. Bon, c'est toujours deux fois plus. C'est toujours mieux que rien. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, donc normalement, première équipe qui dévoile sa date, ce serait le 13 février. Alors, est-ce que ça sera vraiment la première équipe? Je pense pas, parce qu'il y en a qui vont la présenter avant, leur voiture. Genre fin janvier, début février, quoi. 13 février, ça me paraît un peu tard d'ailleurs. Ce sera une des dernières voitures à être présentée, je pense. Bon, affaire à suivre, on verra si ça se révèle être vrai.